Salut, c'est David. Alors comme tu vois, mes cheveux ont poussé depuis les dernières vidéos et la barbe un peu. Et j'ai quitté les lunettes, donc j'ai décidé de faire des vidéos. Alors je vais essayer de faire des vidéos chaque soir comme ça. Alors on verra pas grand-chose. L'image va pas être aussi splendide que les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais je voudrais voilà, te proposer un nouveau format et parler au-delà des sujets que j'ai pu aborder jusqu'à présent. Tu sais qu'on a parlé beaucoup de beaucoup de choses techniques concernant les artistes, comme développer sa démarche artistique, comment exposer dans des lieux prestigieux, comment développer ta liste de clientèle. Et donc j'ai fait à peu près 45 vidéos que tu peux voir sur YouTube, que je vais laisser hein, sur ma chaîne YouTube. Donc tu as accès à ces vidéos-là aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Les autres vidéos sont encore accessibles. Et tu peux même accéder à plusieurs formations que j'ai fait autour de ces thématiques-là. Donc vraiment, ça peut t'aider. Et vraiment, ça, voilà, je vois que régulièrement des artistes achètent ces vidéos-là, s'inscrivent dans ces formations en ligne. Et j'ai des retours très positifs. Ça aide vraiment les artistes qui ont décidé de passer le pas. Donc n'hésite pas, tu fouilles un petit peu dans les vidéos, tu verras qu'il y a plein de choses voilà, qui sont susceptibles de t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais très rapidement. Et à l'époque, j'en avais parlé un peu comme d'autres personnes du développement personnel en parlent. Et d'autres personnes qui vendent aussi des formations pour arrêter de procrastiner en parlent. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'hyper important qui va vraiment démonter ce qu'on pense et ce qu'on dit aujourd'hui sur la procrastination. Et tu vas voir que bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut te dire. Et en fait, c'est logique parce que, bah, tu sais, ceux qui te parlent de la procrastination, généralement, sont des gens qui ont des choses à te vendre là-dessus, quoi. Et, que ce soit un livre ou une formation ou un séminaire ou un stage qui te permet d'arrêter de procrastiner. Alors, si t'es pas au courant, si tu sais pas ce que ça veut dire procrastiner, c'est le fait d'être dans une période pendant laquelle tu n'es pas actif en fait. Tu n'es pas actif, tu n'es pas actif. Et bah logiquement, tu es censé produire, tu es censé agir, mettre des choses en place pour pouvoir avancer dans ton projet. Et ça se fait pas. Et tu te demandes pourquoi. Et souvent, il y a une culpabilité qui va avec ça. On culpabilise de pas faire, de pas être en action, de pas. Tu sais, on est dans une société qui nous demande de soit de consommer tout le temps, soit de produire tout le temps. Et les deux vont vraiment ensemble. C'est-à-dire que on pourrait pas consommer tout le temps s'il n'y avait pas tout le temps de la production, de la production, de la production. D'où tous les problèmes que ça apporte, hein. Des problèmes environnementaux, de pollution, des problèmes de burn-out, c'est-à-dire de pollution mentale et de production des personnes qui va tellement loin qu'on en pète les plombs à tous les niveaux. D'ailleurs, j'en parlais dans un des enregistrements audio que tu peux suivre sur SoundCloud. Alors, si t'es pas au courant, j'ai lancé une petite radio sur SoundCloud et bientôt sur iTunes que tu peux suivre. Donc tous les soirs, je vais faire une petite vidéo comme ça où on se promène un petit peu dans la pénombre, hein, d'où la qualité d'image qui est pas terrible, mais bon, ça donnera ce que ça donnera, c'est pas grave. Je préfère faire des vidéos comme ça où je suis sûr que ça va me faire plaisir le soir, avant d'aller me coucher, de parler de ça avec toi et de sujets importants. Et tant pis si l'image est pas terrible, terrible, mais là, je préfère que le contenu soit présent et que je puisse t'aider sur ce court format. Alors les vidéos à présent seront plus courtes que celles que je faisais d'habitude. Mais par contre, on continuera la discussion en audio. Donc sur SoundCloud, je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Et si tu vois cette vidéo sur Facebook, tu l'auras dans le statut Facebook. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être dans une période où vraiment tu produis plus, où
t'es plus en action en fait. Et vraiment, c'est dur pour toi. Enfin, vraiment, moi je sais que pour avoir vécu ce, et pour vivre en fait de manière, je vais pas dire régulière, mais on sent bien qu'il y a un cycle derrière ça. Ça m'arrive encore d'avoir des périodes où je produis plus, où je me sens vraiment pas actif, où... Et c'est assez horrible parce que ça génère de la frustration, ça génère un profond mal-être. C'est vraiment vraiment intérieur quoi. Il y a vraiment un truc très profond qui c'est super dur quoi. Ça fait vraiment mal à l'intérieur. On a l'impression que c'est un cycle ou je sais pas si toi t'as eu sûrement cette impression-là où t'as l'impression que qu'en plus tu sais c'est exponentiel ce truc-là, c'est-à-dire que t'arrives pas à te mettre en mouvement et t'as vraiment l'impression que toutes les opportunités qui sont là, ben tu les rates. D'ailleurs tu les vois même pas dans ce genre de cas. Et voilà, c'est juste une période qui est vraiment horrible. Et je voudrais te parler de quelque chose d'important à ce niveau-là. Je voudrais te dire que la culpabilité, en fait, n'a pas sa place à ce niveau-là. Parce que ce qu'on appelle la procrastination, et ce que beaucoup de personnes, de spécialistes du développement personnel, de businessmen, même du développement personnel, je peux les appeler comme ça, ont compris, c'est qu'ils peuvent se servir de cette culpabilité que tu as dans ces moments-là, de non-production, de non-action, et parfois qui, pour certaines personnes, durent des mois, voire plusieurs années. Et ben, ces gens-là ont compris que ils peuvent utiliser donc cette souffrance que tu as pour te faire acheter une formule magique, alors qui va fonctionner, c'est-à-dire que les formations contre la procrastination, les stages aussi, sont vraiment efficaces. En tout cas, quand c'est bien fait, c'est vraiment efficace, ça va te remettre en mouvement. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas productif, dans le sens où, évidemment, cette procrastination, elle va revenir à un moment donné. Et tu vas retomber dans la culpabilité. Et en plus, tu vas te dire, putain, j'ai fait un stage, j'ai suivi une formation, j'ai investi sur moi, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et cette procrastination, je m'y retrouve encore dedans. Je suis vraiment une procrastineuse ou un procrastineur. Et ce que je voudrais te dire, en fait, c'est que c'est juste normal de retomber dans la procrastination. Et c'est ce que j'ai découvert il y a peu de temps, finalement. Je me suis rendu compte que même en ayant un rythme de vie extrêmement sain au niveau de mon alimentation, là je suis en train de tester en ce moment l'alimentation paléo qui est très restrictive, il y a très peu d'aliments qu'on peut consommer dans ce type d'alimentation-là, dans ce régime alimentaire. C'est pas un régime pour maigrir, hein, mais c'est un régime alimentaire qui est adapté aux sportifs de haut niveau. Et voilà, ça m'intéressait de fouiller enfin de tester en fait, d'expérimenter cette alimentation. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Ouais, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que j'adopte un rythme de vie qui est le plus sain possible au niveau de mon alimentation, au niveau de la gestion de mes émotions, au niveau du fait d'intégrer de plus en plus dans ma vie de tous les jours, dans mon rythme quotidien, des actions et des moments qui me font du bien en fait, qui me nourrissent. Hein. Voilà, je me suis remis à fond au sport. Bon, en plus, comme tu le sais, si tu me suis à travers les vidéos, là tu me vois carrément plus, mais c'est pas grave, je vais continuer de parler. Voilà, donc si tu me suis, tu sais que je me suis lancé dans un projet de folie qui est un voyage en voilier qui s'appelle Move, qui s'appelle exactement Move, une classe d'art hisse les voiles. Et donc il s'agit d'un voyage en voilier de 9 mois avec des étudiants. Et donc il va falloir que j'ai une forme olympique, notamment pour aider l'équipage à naviguer et puis aussi pour encadrer les jeunes. Et tout ce projet-là, enfin toute cette aventure-là qui va être juste géniale et extraordinaire. Mais
qui me demande dès à présent une rigueur et des efforts sur moi-même pour mettre en place bah, tout ce qu'il faut pour être au top. Je me forme continuellement en développement personnel et j'ai un coach aussi, puisque voilà, je pense qu'un bon coach aujourd'hui est une personne qui sait se faire coacher. Alors, je viens de voir qu'elle a une lune de folie là, je suis à côté de la plage, donc j'avais pas prévu ça, mais en fait, j'avais pas prévu grand-chose pour cette vidéo. On va aller dans le noir un petit peu, c'est pas grave, mais faut absolument que je te montre cette lune, elle est waouh, elle est absolument splendide. Donc tu vas pas me voir pendant 1 minute là, tu vas pas voir grand chose, mais à part la rue en fond là-bas, mais faut vraiment que je te montre ça et j'essaierai même de faire un zoom si je peux zoomer parce que c'est vraiment, enfin en vrai, en réalité, c'est un truc de fou, c'est super beau. En plus, on a un voilier, ouais, tu vas voir, ça va être super. Donc, voilà, en fait, même en ayant un rythme hyper strict, je me rends compte que la procrastination revient. Et donc, j'ai compris que c'est là que j'ai compris que c'était un cycle. Alors, voilà, petite parenthèse. Donc cette procrastination, c'est un cycle. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc on va se retrouver sur l'audio. Et comme ça, on va pouvoir prendre le temps de parler de ça, de rentrer en profondeur dans ce que j'ai découvert au niveau de la procrastination. Et je vais t'en parler sûrement comme tu n'en as jamais entendu parler. Parce qu'il y a plein de mensonges sur cette procrastination. Je pense qu'il y a trop de profits à ce niveau-là. Ça y est, bah, ouais, tu commences à me revoir un petit peu. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous si tu es sur YouTube, sinon dans le statut Facebook. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur l'audio. A tout de suite.